Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième carte entre les G2 et les Sharks. On a toujours un petit directeur hosto tout le tour aussi pourri. Les G2, on le rappelle, ont égalisé sur DUS2 en défonçant les Sharks. Hein. Ils ont éclaté, on va pas se mentir. Allez, on arrive à un peu de mal là à trouver la tête sur JNT, mais c'est fait. 1-0 pour les G2 qui vont remporter le pistol. Alors. Donc les G2 qui ont commencé en perdant la première carte, qui est Trail. Ça 6, ils sont fait défoncer. Hein. Premier 7-12-3, derrière ils mettent le pistol, première arme d'armée, puis ils se font éclater. Derrière, ils ont défoncé les Sharks 12-3 à leur tour, en finissant sur 1-16-4, donc encore mieux que leurs adversaires. Et là, on est cette fois-ci sur Nuke, où on sait que les G2 sont pas trop mal. On les a pas eu beaucoup jouer. La seule fois où on les a vu jouer, c'est contre le Vitality. Et les G2 les avaient éclatés sur un 16-5 en commençant CT. Et là, la bonne nouvelle, c'est que les G2 commencent en CT. On a visiblement remporté le pistol pour les Français. Allez, Kenny et Shops. Ainsi que Lucky au niveau de cet XT. C'est Lucky qui va prendre le premier kill. Pour le moment, Kenny qui enchaîne. On fait du petit tap-tap là avec... avec son PM, Phineas qui enchaîne un nouveau kill, attention à Lucky quand même, qui sera bien cover par Jax. 2-0 pour les G2, aucun problème sur cet anti-écho. Ah, il y a le joueur Inkno FME and Amp @Zarx CS qui a quitté la partie les gars. Mince. Allez, côté G2, on est resté sur 3 PM, donc on a un petit avantage d'armement quand même pour les Sharks. Reste à savoir s'ils vont réussir à concrétiser ça. Allez, Body qui va repérer un joueur qui va le mettre très très low HP. C'est Léo Drunky, 21 points de vie. Body et Kenny qui sont chargés de la défense de l'XT ainsi que Lucky. Pour l'instant, ça va, mais c'est Shox qui va se faire éliminer. Première ouverture de la part des Sharks, avantage numérique. Par contre, on est en train de faire des dégâts monstrueux pour Body qui va prendre le premier kill sur exit. C'est un 4 contre 4 avec deux joueurs assez low HP. Attention quand même. Ok, la musique ça venait d'une voiture. J'ai peur parce qu'il commence à être tard, donc là il y a des gens qui vont commencer à faire la fête pour le nouvel an. Moi je fais rien parce que je bosse demain à 10h du matin, je suis content. Allez, RCF qui va aller prendre un kill sur Kenny. Mais derrière, Jax et Body sont solides. C'est donc un 3v2 à l'avantage des G2. Double kill de Body pour l'instant sur ce round. Il ne reste plus que Nak et Léo de Runky. Les G2 qui pourraient, pourquoi pas, aller chercher un 3-0. Ce serait vraiment pas mal de remporter ce premier round d'armée qui est toujours un petit peu compliqué. Lucky, le bon timing sur Nak. Et il ne reste plus que Léo de Runky en 1 contre 3. Léo de Runky qui risque d'avoir du mal à remporter ce round puisqu'il a que 21 HP qu'il a repéré. La mollo, mais Body qui va lui courir littéralement dessus. Triple kill de Body. Les G2 vont chercher un troisième point. G2. Je pense que sur cette carte, ça peut être violent. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, Shark, sur cette carte. Mais quand tu sais que les G2, ils ont collé un petit side à 13-2 à Vitality, tu te dis, bon... Alors ok, Vitality ont des problèmes sur la carte, d'accord. Mais bon, c'est Sharks. Alors, c'est pas Vitality en face, c'est Sharks. C'est genre, même si Vitality a des problèmes sur Nuke, il y a Sharks qui arrive, Sharks se font poutrer quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, j'ai un peu peur pour les Brésiliens quand même. Bon alors, peut-être qu'ils vont un petit peu résister, mais j'avoue que... Je la sens pas pour eux. Allez, la HE qui est pas mal là de la part de Jax qui va devoir défendre sa zone. En plus, la HE de Kenny derrière qui enchaîne. Allez, Jax qui repère beaucoup de joueurs, qui arrivera pas à faire le moindre kill. Kenny par contre, lui, en fait un sur exit. Et la brochette de Kenny, le ace même de Kenny. En finissant sur une petite brochette, je suis content de l'avoir filmé. Tiens, la brochette, la dernière fois qu'il y avait une brochette, on l'avait raté. 4-0 pour les G2. Petit ace de Kenny hein, qui se met bien. Jax n'a pas encore ouvert le compteur. Côté Sharks, regardez, c'est plutôt homogène. 1-4 pour tout le monde. C'est beau. On a tous le même score. 1-4, 1-0-4, 1-0-4, 1-0-4, 1-0-4, 1-0-4. C'est de toute beauté. Allez, les G2, 4-0. Pour l'instant, on est bien rentré dans le match. On perd pas trop d'armes. Donc, côté économique, c'est pas trop mal. En tout cas, là, c'était un petit... Alors, c'était pas un round parfait, puisque Jax est tombé, mais...
pas grave, il y avait Kenny pour faire un triplé. Une petite brochette, tout ça. Kenny qui s'est fait plaisir. Alors bien sûr, là je mets pas le directeur auto, je me focus sur les joueurs G2. C'est ce que je fais généralement, hein. En général, quand je switch sur les joueurs, je me focus pas mal sur les joueurs français. Parce qu'on est là pour regarder des actions françaises. Allez, Jax, il va prendre un premier kill sur Léo Drunky. Jax qui va devoir gérer un petit peu. Jax peut-être pour le double kill, pour faire tomber JNT derrière. La revenge est faite par RCF. On a Kenny qui est solide. Prendre un kill de kill plus. La bombe est tombée. Il ne reste plus que Nak et Exit pour essayer quelque chose sur ce round. Ça risque d'être compliqué. Le qui prend un kill sur Nak. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Exit. Repéré a priori. Et c'est Shox qui l'achèvera. 5 à 0 pour les G2. Qui enchaîne pour le moment. Et premier kill de Shox. 8-2 pour Kenny. Lucky toujours pas mort. Body toujours pas mort. Du coup, ils ont de l'argent. 12 000 dollars pour Lucky. Pause tactique. Des Sharks qui pour l'instant se font un petit peu soulever. Ouh, c'est plus aussi. Oh non! Vas-y là. Il y avait 1-4 pour tout le monde. Là, il y a 2-5 pour RCF. C'est chiant. Pourquoi t'as fait un kill, mec? Moi, j'aime la symétrie. Côté G2, il n'y a aucune symétrie, hein, on va pas se mentir. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver de la symétrie? Allez, on peut voir que Lucky est le seul à avoir plus de 10 000 dollars, donc il y a un chiffre de plus. Du coup, c'est le mec psychopathe, quoi. Le gros malade. Serveur, GoTV. Allez, 5-0, pause tactique. Les G2 pour l'instant qui sont bien rentrés dans leur match, qui commencent à avoir beaucoup d'argent de côté. Donc là ça peut devenir problématique pour les Sharks d'enchaîner les points. Parce que même s'ils mettent un round, derrière ils pourraient vraiment se faire reset echo. Allez, c'est parti. Les G2 qui vont contester cet excès, notamment Shox. Oh Shox. Oh, il va jamais s'y attendre, le Drunky. Ah, quoique. Et Shax, il a même perdu son duel. C'est pas trop mal géré, ça, par les Brésiliens. Enfin, en tout cas, par le petit Léo. C'est pas un... C'est Léo, hein, les gars. C'est pas un... Dans un dessin animé, un lion. Genre, en mode full plagiat du royaume. Et Jax, il va prendre un kill, là, sur sa rampe. Par contre là il joue un petit peu un jeu dangereux, faudrait qu'il se replace sur le bon site B. Il a vraiment envie d'insister Jax. Et Kenny qui va prendre un kill sur JNT. Attention Kenny là qui brûle un petit peu, mais Jax qui va l'assister. Et là on a Nak qui est un petit peu en difficulté, il sait pas trop où regarder. On a Jax d'un côté, Kenny de l'autre. Alors Nak il est au milieu, genre YOLO quoi. Et Kenny qui repart. Bon, en tout cas c'est un 4v2 avec notamment Léo Drunky avec 20 petits points de vie. A priori les G2 qui devraient pouvoir gérer sans trop de problèmes ce round. On se dirige côté rampe pour les Brésiliens. Jax qui les entend courir. Jax il peut faire un carnage là. Il en fera un. Et en plus il va casquer Nak derrière. 1v3 pour le Brésilien. Les G2. Qui sont largement en avantage. Est-ce qu'il va réussir à planter? La réponse est non. Body l'éliminera. 6-0. Les G2 continuent leur run pour l'instant. Et Lucky ainsi que Body qui sont toujours pas morts. Lequel des deux sera le premier à tomber? Shox qui pour l'instant n'a rien à faire concrètement. 1-1-2. Ah là, la symétrie est morte les gars. 2-1-6. Ah l'autre qui fait une assist là. Eh, tu pouvais pas faire un kill sans faire d'assist, on aurait pu espérer arriver à du 2-7 sur tout le monde ou un truc comme ça. Mais non, même pas, hein. C'est les gamins. Allez Shox. Oh Shox, je sens que Shox il va manquer de respect là. Ah il a voulu traverser mais c'est lui qui sera puni. Puisqu'il y avait un joueur qui était déjà passé dans le secret. Allez, le secret qui est pris en réponse. On a deux joueurs G2 qui arrivent sur ce bon site B. C'est Kenny et Jax. Ils sont tellement morts, ils sont pas prêts là. Ils sont pas prêts. Putain, ils vont être complètement focus sur Kenny. Allez Jax, faire la smoke, il va prendre le kill sur Exit. C'est une catastrophe. Body fait tomber Léo Drunky, Kenny S, HF JNT et 7 à 0 pour les G2 qui enchaînent pour l'instant.
Et on est toujours pas mort côté Lucky et Body là. Là ça va être mon petit focus dans la game. Lequel va mourir en premier? Est-ce que vous avez déjà vu une game où un mec fait toute sa game sans mourir? Est-ce que vous avez déjà vu? J'ai jamais vu pour ma part, en tout cas en pro, jamais vu. J'ai déjà vu un mec, enfin j'ai jamais vu non plus un mec faire 0 kill. Genre toujours quelqu'un a, par exemple là il y a tout le monde qui a fait un kill. Et pour l'instant Lucky qui va prendre un double kill. Oh Lucky qui est tombé! Lucky, la première mort, c'est Body qui gagnera cette rencontre. On n'a rien vu par contre. Kenny peut-être. Kenny. Oh Kenny, est-ce qu'il va manquer de respect? Il manque pas de respect. Kenny est sage, Kenny est gentil. Oh là, la double sursis, ils vont jamais s'y attendre. Ouais, voilà, il s'attend pas. Body va éliminer JNT. Et Exit sera éliminé par Shox. 8-0, les G2 qui vont remporter le side, qui pour l'instant continuent de faire de la pulvérisation tous ensemble. Bon maintenant, le nouveau focus, c'est de voir dans combien de rounds Body va mourir. Le mec a des délires chelous quoi. Mais regardez, il y a 2-2-8 et il y a un con qui fait du 4. C'est pas possible ça. Je voulais pas kicker Léo Drumkey. Genre vraiment, j'ai des problèmes de type mental. Faudrait vraiment que je consulte. Vous avez l'adresse d'un bon psy, pourquoi pas. Allez, Shox qui va agresser. On était complètement blanc pour RCF et on va se faire éliminer. En plus avec la bombe, donc ça donne des bonnes indications au G2. Sur ce que veulent faire ces Sharks. 5v4 dès les premiers instants du round. Body qui regarde le sol. Il se dit le sol est beau. Alors il regarde le sol parce qu'il est... Au cas où il y a un joueur qui veut avancer je pense. Pour voir les pieds. Ah, il y a un trou là dans la smoke. Il y a carrément un trou. Ah non. Non finalement non. Ah bah si peut-être. Parce que lui qui va éclater exit. Kenny qui enchaîne sur JNT. 5v2. Pff, c'est... On est en train de se faire un peu éclater, en plus Jax fait tomber Nak, il ne reste plus que Léo Drunky, on va se mettre sur lui, il va peut-être faire un kill, il va en faire hein, sur Lucky. Ouais, peut-être le clutch. Force Kenny à tirer. Je saute, je tire dans tous les sens, mais Body sera solide. 9-0 pour les G2. Bon. Écoutez, pour l'instant, les Français qui n'ont pas trop de problèmes là dans cette rencontre, ils ont énormément d'argent. Vous le sentez venir l'enculade? Tout à l'heure je me suis appliqué pour pas le dire et là genre j'ai sorti genre en mode zéro pression. En tout cas, est-ce que vous la sentez? Enfin, je pense que c'est plus les Sharks qui la sentent là pour le moment. On a des G2 qui sont en train de largement dominer. Allez, Shox qui fait un petit peu de tir au pigeon. Ça fait du moins 1 pour l'instant. Le qui enchaîne. Par contre, Nak qui va prendre une bonne tête sur Kenyes. Mais attention, Body en fait un. Body éliminé par JNT quand même. Et Jax qui arrive déjà dans le dos. JNT double kill. Jax peut-être. Jax peut-être. Jax. Et le premier kill de Jax. C'est ce qu'il peut enchaîner. Il repère son adversaire. Exit qui va prendre un kill. 1v1. Peut-être le premier round. La réponse est non. Shox l'anéantira. Première fois, je crois que les G2 se retrouvent avec un seul mec en vie. Quoi. 10-0. Qu'est-ce que c'est que ce match? 10-0. Allez, hop. C'est... Pour l'instant, on met des petites balayettes là côté G2. On dit poussez-vous. Et ils sont en train... Vous voyez, genre, ils sont en train de le pousser, tu sais, genre quand t'éclipses un mec derrière toi comme ça, genre, tu le mets derrière ton épaule là. Là ils sont en train de leur faire ça et de dire, allez, poussez-vous les gars. Moi, j'ai pas le temps. J'ai une finale à jouer face à Fnatic. Et voilà, Fnatic qui sont quelque chose comme 8 ou 7 ou 8e mondiaux, donc ce sera quand même un sacré morceau pour les G2, à moins qu'on ait une remontée miracle des Sharks, mais sinon c'est compliqué. Tu vois qu'il y a 10-0, ça peut vraiment finir sur un 13-2, un 14-1 là, si, même si les G2 se font en reset. Oh, le Jax en plus, donne-moi ça. Le travail, la patience entre Jax et RCF, et c'est Jax qui va s'imposer, en plus pendant ce temps Kenny S prend un kill. Sur Léo Drunky. Jax peut-être. La mollo. On va avancer. Jax va tomber. Il reste encore Kenny. Il reste encore la bête. Le Kenny S. Alors on lui fait complètement confiance d'ailleurs hein, Kenny. Ah ils vont pas aller au niveau du B. Ah ils vont pas en B. Ah, Body qui aurait pu avoir un bon timing mais finalement non. Ah, ils sont en train de monter. Oh Body, allez, Body il en fait un. Ah du coup fallait suivre là, fallait courir en plus. Oh en plus il a repéré là. Ah il est tellement mort lui. Ah il est tellement mort. JNT là. La Body sait qu'il est là.
Bon, allez, c'est un 2v4. Les G2 a priori qui devraient aller chercher un 11e point. En plus, Body qui fait tomber NAC. Allez, il ne reste plus qu'un joueur. JNT en 1 contre 4. Repéré en plus. Éliminé par Shox. 11-0. Ah. Bon. Post-tactique des Sharks. 11-0, putain. Là, même s'ils mettent un point, derrière les G2, ils ont tellement de quoi les reset, quoi. Regardez l'argent des G2, c'est abusé, quoi. Et Body, il est mort une seule fois. J'ai pas fait gaffe quand est-ce qu'il est mort, d'ailleurs. Il est mort une fois, Body. Il a un ratio de 12, au calme. Le petit ratio de 12 pour Body. C'est n'importe quoi. 11-0, regardez-moi ça. Ils ont pas posé la bombe une seule fois. Oh, bah, la vache. Je me moque pas d'eux, hein. Enfin, peut-être un petit peu, mais j'essaye de pas trop me moquer d'eux. Mais ils ont pas quand même pas porté la pompe une seule fois. Oh, 11 rounds. Oh putain. Pardon. Je devrais avoir plus de respect pour eux. Je devrais faire montre. Je devrais montrer plus de respect envers Sharks. Ils ont pas planté la bombe, putain. On se rend. Je crois qu'ils découvrent la carte. Ah putain. Ah vas-y, je vais me faire lyncher dans les commentaires là. On va me dire, ah t'as aucun respect. Allez, Body prend le premier kill sur Nak. Derrière Lucky en fait un de plus. Et Jax qui arrive, qui en prend deux. Ah mais c'est un carnage. Allez, Lucky qui conclut, 12-0. Alors, on ouvre les paris. Les Sharks vont réussir à planter la bombe sur les trois hommes qui restent. Ah oh, putain, excusez-moi les gars. Ah oh, putain. Les Sharks, dont l'objectif principal sur ce match est de planter la bombe. Ah oh, mais je suis tellement un connard, putain. En plus, genre ces mecs-là, genre moi ils me croisent, ils m'éclatent quoi, genre ils m'éclatent, ils me défoncent. Je suis leur petite pute quoi, concrètement, donc. Allez Jax, oh putain Jax, ah il se foire complètement même. Allez, peut-être que sur une erreur de Jax, on pourrait inscrire un premier point pour les Sharks, planter une première pompe. Pour l'instant, Lucky qui dit non, Shox aussi, 4v2, allez doublé de Shox, il ne reste plus qu'Exit. Ils vont pas la planter, hein. Ils vont pas la planter, les gars. 13-0. Oh putain, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu 13 rounds d'affilée sans plantage de bombe, quoi. C'est incroyable. Les mecs découvrent Nuke. Je vous jure, ils ont jamais joué la carte ou alors ils l'ont joué, mais bon, genre entre potes, tu vois, genre en mix. Non mais je comprends pas comment on arrive sur cette troisième carte quoi. Les mecs ils se disent c'est bon, on va tout gérer en 2-0. C'est un peu comme G2 face à Hellraiser, tu sais, genre les mecs ils se disent bon allez 2-0 ou on est éliminé quoi. C'est pas possible. Genre vraiment. Ah putain. Alors désolé pour la petite crise de fou rire là. Alors, je précise que je n'ai rien contre Sharks. C'est une équipe que je respecte, c'est une équipe qui est pas si mauvaise que ça. Elle a quand même remporté un BO3 face à North aux ESL Pro League finale. Donc c'est vraiment pas des noobs en soi, mais genre là ils se font soulever, mais genre vraiment. Ouais, je sens que Jax il va faire un carnage là. Et là je sens un peu avec le nez là, comme ça là, le petit reniflement. Allez, il en fera qu'un. Bah non, hop, le reniflement n'a pas marché. Le drink qui revenge quasiment instantanément, mais derrière Shox qui en fait un Shox peut-être pour enchaîner, double kill de Shox avant d'être éliminé finalement par JNT, mais il reste encore Body au niveau de cet XT. Ah, JNT reprend un kill sur Lucky. Eh, le 2v... Le 1v2 pour Nak. Il a pas la bombe. Il a pas la bombe. Ah oh, putain, il a 30 secondes, il a pas la bombe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Il est où là? Ok. Allez, Nak pour le 1v2. Il a tellement pas le temps. Il a tellement pas le temps. Il a 20 secondes. Il est encore en train de marcher. Non mais il a jamais le temps là. Mais en fait là, juste il se cache. Kenyes, juste il se cache. Il a jamais le temps d'aller chercher la bombe, de planter et tout. Oh, il essaye. Mais il a pas le temps. Mais non. Mais c'est quoi?
Kenny, il s'est dit, oh, je suis dans la merde, le mec il va venir me chercher et tout. Même pas. Le mec il s'est dit, c'est bon, j'ai le temps de planter. Il l'a même pas, il l'a même pas planté. Il s'est même pas dit, bon, je vais planter la bombe. Ah non, ça enlève une tête de mort. On avait que des têtes de mort. Bah écoutez, bah finalement on a un petit timer, mais côté G2 c'est le 14e point. Kenny il a eu rien à faire en fait. Kenny il pouvait ne pas bouger, tu sais. Et c'est bon, il met le clutch quoi. Bon allez, 14-0, peut-être un petit point pour sauver l'honneur quand même pour les Sharks, au moins un. Pour l'honneur quoi, pour... Oh là là, oh là là, ils se sont flashés tout seuls. Ils se sont flashés tout seuls. Hein. Je crois qu'ils se sont flashés tout seuls, non? Attendez, je crois pas que ce soit... Non, ils se sont flashés tout seuls, je crois. Jack sur F2 avec le kick qui enchaîne sur Nak, il ne reste plus que RCF éliminé par Body. 15-0, les gars, le dream, le 16-0 est possible en demi-finale d'un tournoi. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas planté la bombe une seule fois en 15 rounds. En 15 rounds, il y a eu deux fois seulement une situation de 1v1 quoi. Les G2 qui ont pulvérisé les Sharks. Genre c'est la mouche, genre tu mets un petit coup de tapette, appuie quoi, genre... Vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu l'image où c'est un requin qui sort de l'eau, puis t'as genre le mec, il touche le requin, et genre on a l'impression qu'il le pousse en mode vas-y dégage, bouge de là. Si je la retrouve, je vous la mettrai si j'y pense. Sur le montage, je vous mettrai la photo, je sais pas si vous l'avez déjà vue. Mais elle est trop marrante cette image. Ah, allez peut-être un round. Allez, c'est parti. Les G2, Body qui va faire un kill. Attention, exit quand même, en fait un. La revenge peut-être de Jax, exit qui est low HP. C'est un 3v4 quand même, à l'avantage des Brésiliens. Body peut-être, Body qui en fait un. Le deuxième, il tombe aussi, je sais pas ce qu'il foutait. Le mec, il était tout seul. RCF, allez, 1v2, Jax, Kenny. Allez les gars, allez le 16-0, le 16-0. Qu'est-ce que c'est que ce match? C'est n'importe quoi. Oh là là, ça va être le 16-0. Ah, oh là là, 16-0. Allez hop, allez c'est fini, 22 minutes. J'espère que ce match vous a plu. Et les G2 donc qui iront en finale face aux Fnatic. Ciao les gars. Alors désolé si j'ai un petit peu... Voilà, j'étais un petit peu... Je suis un petit peu foutu de la gueule les mecs en face. Je suis vraiment désolé. Je respecte bien sûr tous les joueurs pro, semi-pro qui jouent au jeu. J'espère malgré tout que ce match vous a plu. Bon, au moins, hein, on commencera l'année plutôt en rigolant. Allez, ciao les gars, et on se retrouve demain pour la grande finale G2 face à Fnatic. Je vous annonce déjà les cartes, tiens, ça peut être bien. On a Dust 2 pour commencer, choix des G2. Mirage ensuite, je crois, oui, Mirage. Choix des Fnatic et troisième carte, nous avons Train. Donc le même format que face aux Hellrisers, les G2 ont tout intérêt à remporter ce BO3 en 2-0, sinon vraiment la finale risque d'être compliquée pour les Français. Allez, je vous laisse, on se retrouve demain pour la grande finale de cette PLG Grand Slam. Ciao les gars. Ah et bonne année au fait.